Haha, très drôle. Non, mais c'est pas drôle. Si, après tout, on a juste fait une nuit blanche, c'est pas la mort. T'as raison. Et puis, heureusement que j'avais pas cours aujourd'hui. Sinon, je te dis pas dans quel état je serais avant d'aller en cours. Fais pas comme si t'y allais souvent. T'y vas presque jamais, même. Tu prends de grandes vacances quand même. Oh, ça va. De toute façon, c'est pas comme si ma meilleure amie était encore là pour me motiver à aller en cours. Ça peut te rassurer, c'est pas la joie ici. Il y a que des vieux. Et les ados qui sont là sont tous dépressifs, sans aucune exception. C'était pas un choix, hein. Au pire, je n'ai qu'à venir comme ça, on sera toutes les deux au moins. Tes parents ne viendront jamais. C'est même pas la peine d'essayer. Non, n'essaye pas, ils vont te dire non, c'est une perte de temps. Dis-le-moi simplement si tu veux pas que je vienne. Non, mais j'ai pas dit ça, arrête de voir le mal partout. Mais je vois pas le mal partout, j'essaie juste de comprendre. Bref, sinon je t'ai pas raconté. Mon premier jour de cours, c'était trop bizarre. Les gens avaient des têtes trop bizarres, ils parlaient trop bizarre, franchement, c'était bizarre. Ah ouais, dingue. Tu sais quoi, oublie. Bon, t'en as parlé à tes parents du fait que c'était trop bizarre comme premier jour? Parce que maintenant ça t'intéresse. Sinon, non, je leur en ai pas parlé. De toute façon, ils me répondront jamais. Tu vas faire comment alors? T'es sûre que tu veux pas que je vienne? Je sais pas. Maintenant que je suis là, j'ai plus vraiment le choix. Mais ça suffit, non, tu viendras pas. Mais c'est toi qui voulais partir. Personne ne t'a forcé et même personne ne voulait que tu y ailles. Même pas moi. C'est pas ma faute. Je savais pas que ça serait comme ça. Je m'y attendais pas du tout. Et puis, c'est mieux pour moi. J'en avais marre d'être chez moi, franchement, ça n'allait plus. Tu vois, c'était un mal pour un bien. N'empêche, j'ai quand même envie de venir, j'en peux plus. Il est hors de question que tu viennes, ça va pas, non? Je veux pas que tu viennes. Pourquoi toi, tu aurais le droit de partir et pas moi? Parce que moi, j'ai pas réfléchi aux conséquences de mon départ. Regarde, mes parents, ils passent leur temps à attendre que je revienne. Ils pensent même à vendre leur maison et à me rejoindre. Voilà, si même tes parents viennent, moi aussi je peux venir. Non, tu viendras pas, t'as pas intérêt à faire ça. Veneer. Tell my love to wreck it all.
Tu te fiches de moi? Attends, tu m'avais bloqué là? Non mais t'es pas sérieuse. Ça parce que je t'ai dit que je voulais pas que tu viennes me voir? Oui. Mais je veux juste que tu sois sûre de toi, sûre de pas faire de bêtises. Pense à tes parents et à ta famille. T'es sûre de pas de vouloir leur faire ça? Oui, j'en suis sûre. Ils vont s'en remettre, ça va. C'est pas la fin du monde non plus. Si t'en es sûre, alors qui suis-je pour t'en empêcher? T'es sérieuse? J'arrive, je me prépare et je viens. Ok. Action. Je suis prête, j'ai tout ce qu'il me faut, je pars, je te rejoins. Ça m'inquiète. Jamais elle n'aurait raté l'enterrement de sa meilleure amie. Amy a disparu depuis plusieurs semaines maintenant. Tu imagines dans quel état doivent être ses parents? Les pauvres.